What? What? Alors, les disciplines que je pratique sont le lancer de disque et le lancer de poids. J'ai choisi, en fait, ils ont ouvert les disciplines de lancer, uniquement les lancers pour les personnes de petite taille, et pas les courses. Donc, j'ai essayé le lancer, ça m'a plu, et j'ai continué. Avec les athlètes valides, j'ai pas de soucis. En fait, tout ce qui nous rassemble, c'est le sport. Donc, quand on se rend compte, on a la même passion. Au niveau de mon handicap, il n'y a pas de contrainte. Si je le fais, c'est que je peux le faire. Et puis bon, il y a les barèmes, enfin, tout est bien organisé, donc c'est pas tout ça. J'ai fait 1m82 cette année en 2008. Et en Suède en 2005, non 2006, 1m73, ma première sélection en équipe de France en junior, avec ma première médaille d'or avec 1m73. Mm-hmm. Bah, j'espère si je peux tenir le coup pour les Jeux Olympiques en République Tchèque et au moins faire les JO en 2012 qui vont arriver dans 4 ans. J'espère que je vais tenir le coup et puis voilà. Et merci pour tout le monde, tout le soutien du stade et la GD Corée qui m'encourage en Estonie. Je t'en remercie beaucoup et voilà. J'ai la chance, oui, d'être sélectionnée pour les Jeux de Pékin. Ce sont mes premiers Jeux. Donc on se prépare pour ça. C'est pas évident, mais on se prépare. C'est vrai qu'on fait à raison de 2-3 séances bicotidiennes, donc un entraînement le matin comme aujourd'hui, qui prépare l'entraînement du soir. Donc il faut compter 2 bonnes heures le matin et puis 2-3 bonnes heures le soir. Et puis en général, ouais, c'est 3 heures d'entraînement, donc ça fait un petit quota à la fin de la semaine. Avoir un handicap quelconque, ce n'est pas un handicap dans la vie, mais qu'on peut vivre avec. Et quel que soit ce qu'ils font, on sera toujours fier d'eux. Et je trouve ça très très beau ce qu'ils font pour l'espoir. What? What?